Supprimer les féculents le soir, la clé pour perdre du poids sans effort. La perte de poids est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, et il y a de nombreuses façons de la réaliser. Parmi les nombreuses stratégies de perte de poids, l'une des plus populaires est de supprimer les féculents le soir. Cette stratégie est souvent considérée comme une façon facile et efficace de perdre du poids sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'efficacité de cette stratégie de perte de poids les avantages et les inconvénients de la suppression des féculents le soir, ainsi que quelques alternatives pour perdre du poids. La science derrière la suppression des féculents le soir. La science derrière la suppression des féculents le soir est basée sur le fait que le corps brûle plus de calories pendant les heures de la journée que pendant la nuit. En d'autres termes, le métabolisme est plus élevé pendant la journée que pendant la nuit. Par conséquent, si vous consommez des aliments riches en glucides, comme les féculents, le soir, votre corps sera moins capable de les brûler efficacement, ce qui peut entraîner un gain de poids. Cependant, il convient de noter que cette théorie n'est pas complètement étayée par la science. En effet, plusieurs études ont montré que la consommation de féculents le soir n'entraînait pas nécessairement une prise de poids. Une étude de 2014 publiée dans l'International Journal of Obesity a comparé l'effet d'un régime riche en glucides le soir à celui d'un régime riche en glucides le matin sur la perte de poids. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes en termes de perte de poids. Un autre facteur à prendre en compte est que tous les féculents ne sont pas créés égaux. Les féculents sont une source importante de glucides, qui sont utilisés par le corps comme source d'énergie. Les féculents complexes, comme le riz brun, les patates douces et les légumineuses, ont un indice glycémique plus bas que les féculents raffinés, comme le pain blanc et les pâtes. Cela signifie que les féculents complexes sont digérés plus lentement, ce qui permet au corps de les utiliser plus efficacement comme source d'énergie. Les avantages et les inconvénients de la suppression des féculents le soir. Comme pour toute stratégie de perte de poids, il y a des avantages et des inconvénients à la suppression des féculents le soir. Avantages Perte de poids, la suppression des féculents le soir peut être une stratégie efficace pour perdre du poids, car elle limite la consommation de glucides qui sont souvent considérés comme des coupables de la prise de poids. Meilleure digestion. La digestion des féculents peut être plus difficile la nuit, car le corps est moins actif. La suppression des féculents le soir peut donc améliorer la digestion et réduire les ballonnements et les douleurs abdominales. Meilleur sommeil. La consommation de féculents le soir peut perturber le sommeil, car le corps doit travailler plus dur pour les digérer. En supprimant les féculents le soir, vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil car votre corps n'a pas à travailler aussi dur pour digérer les aliments. Inconvénient. Restriction alimentaire. Supprimer les féculents le soir peut être difficile pour certaines personnes, car cela limite leur choix alimentaire et peut entraîner une sensation de privation. Risque de fringale. Si vous supprimez complètement les féculents le soir, vous risquez de vous sentir affamé avant de vous coucher, ce qui peut entraîner des fringales et une suralimentation. Manque d'énergie. Les féculents sont une source importante de glucides qui sont utilisés par le corps comme source d'énergie. Si vous supprimez complètement les féculents le soir, vous risquez de manquer d'énergie pour vos activités quotidiennes. Alternative pour perdre du poids. Si vous ne voulez pas supprimer complètement les féculents le soir, il existe d'autres alternatives pour perdre du poids. Manger des féculents complexes. Comme mentionné précédemment, les féculents complexes ont un indice glycémique plus bas que les féculents raffinés. Ce qui signifie qu'ils sont digérés plus lentement et que le corps les utilise plus efficacement comme source d'énergie. Les féculents complexes sont donc un choix plus sain pour les repas du soir. Manger des légumes, les légumes sont riches en fibres, en vitamines et en minéraux, et ils peuvent être un excellent substitut pour les féculents. Les légumes peuvent être préparés de nombreuses façons différentes pour satisfaire vos papilles. Contrôlez les portions. Si vous voulez manger des féculents le soir, assurez-vous de contrôler les portions. Manger une petite quantité de féculents peut vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids tout en satisfaisant votre faim. Faire de l'exercice régulièrement, l'exercice régulier peut vous aider à perdre du poids en brûlant des calories et en augmentant votre métabolisme. Vous pouvez intégrer des exercices simples dans votre routine quotidienne, comme la marche, le vélo ou la natation. En conclusion, la suppression des féculents le soir peut être une stratégie efficace pour perdre du poids, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Il est important de trouver une stratégie de perte de poids qui convient à votre mode de vie et à vos préférences alimentaires. Si vous voulez manger des féculents le soir, assurez-vous de choisir des options saines comme les féculents complexes et de contrôler les portions. En fin de compte, la clé pour perdre du poids sans effort est de manger une alimentation saine et équilibrée, de faire de l'exercice régulièrement et de trouver un équilibre qui convient à votre corps et à votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos aussi n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'e-mails privés c'est totalement gratuit et vous permet de rester informé et recevoir régulièrement des astuces minceurs et pour prendre soin de votre corps vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et en renseignant votre email à la prochaine